Alléluia, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Voilà, tu vois. Ok. Corinthiens chapitre 4. Les hommes ont fait la seule promis. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Nous allons parler justement de l'appel, parler de la vocation. L'apôtre Paul s'adresse à ses enfants de la foi. Et les deux épîtres de Paul aux Corinthiens, si vous les lisez, vous verrez que c'est pratiquement les seules épîtres, les seules d'ailleurs, où Paul va pratiquement se déshabiller. Il va parler de ses propres souffrances, il va parler de ses propres combats, tout ça. Il se déshabille. Parce qu'il a une relation particulière avec ces chrétiens qui étaient tellement charnels. Donc, il était question souvent de... En fait, Paul se justifiait souvent parce que les Corinthiens l'accusaient beaucoup. Le traitaient de charnel. Les deux Corinthiens disaient que Paul était charnel. Ils disaient qu'il était méchant. En gros, il était dictateur. Vous voyez? Et... il y avait beaucoup de faux prophètes dans cette ville de Corinthe, que Paul qualifie dans 2 Corinthiens 11 de faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, des serviteurs de Satan, carrément, qui se déguisaient. Et l'apôtre Paul a écrit ces deux épîtres suite aux plaintes, premièrement, et plusieurs raisons, aux plaintes des gens de Chloé, des chrétiens de Chloé, une ville grecque. Il disait de Paul, qui avait écrit à Paul pour dire, bah, écoute, tes enfants dans la foi ici, on peut ouvrir un peu hein, si vous avez chaud. Vous avez chaud, non? Ça va? Tes enfants dans la foi se sont complètement éloignés de la vérité. Il y a des divisions parmi eux, il y a des sectes. Il y avait plusieurs dénominations, tu dors? Normal? Ok. Il y avait plusieurs dénominations, la dénomination de Cephas, Pierre, celle de Paul, celle d'Apollos, de celle de Christ parmi les Corinthiens. Et en fait, c'est les peuples qui se disaient « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Jacques, moi, je suis d'André. » Donc, vous voyez, ils ne se reconnaissaient plus par rapport à Christ, mais c'était par rapport aux hommes. Et il y avait plusieurs enseignants dans cette ville. Et Paul dit « Vous pouvez avoir plusieurs maîtres en Christ. » C'est-à-dire des docteurs, des d'Ascalos. Mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Donc, il était obligé de fermer sur l'apostolat, ici. Il dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, c'est-à-dire les gens que vous côtoyez, mais je le suis au moins pour vous parce que vous êtes le sceau, la marque de mon apostolat. Logiquement, il n'avait pas besoin de leur dire cela. Mais je veux d'abord en parler un peu du contexte de ce livre pour que vous compreniez un peu l'enseignement du verset du chapitre 4 ici. Paul apprend également que les chrétiens de Corinthe, quand ils se réunissaient, au lieu de devenir meilleurs, ils devenaient pires. Il apprend également que l'un d'entre eux avait pris la femme de son père, et les autres chrétiens de Corinthe étaient dans l'orgueil. Au lieu de sanctionner cet homme impie, ils l'ont au contraire encouragé à continuer dans cette vie dissolue.
Il apprend également, en fait, dans 1 Corinthiens 7, les Corinthiens vont lui envoyer un courrier par rapport au mariage, parce qu'il pourrait avoir des informations précises concernant le mariage. Et Paul va leur écrire, voilà ce qui concerne les questions relatives au mariage, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Et puis notamment, dans 1 Corinthiens 14, Paul va être motivé également par des plaintes qui étaient arrivées à ses oreilles, d'après lesquelles, selon 1 Corinthiens 14, que lorsque les chrétiens de Corinthe se réunissaient, il y avait un tel bazar que les auditeurs oublieux qui allaient dans cette assemblée étaient perturbés parce que plusieurs prophètes prophétisaient en même temps. Il y en avait qui parlaient en langue, donc plusieurs parlaient en langue, et il n'y avait pas d'interprétation. Et les femmes, certaines femmes également posaient n'importe quelle question, parlaient avec beaucoup de, sans pudeur. Elle parlait sans pudeur, donc il y avait tellement le désordre que Paul va être encouragé, poussé par l'esprit pour pouvoir écrire deux épîtres, pour mettre de l'ordre. Alors ici, justement, il dit, ainsi qu'on nous regarde, nous, parce que les Corinthiens regardaient les autres apôtres comme des grands hommes de Dieu, que Paul appelle les super apôtres. Il dit, vous devez nous regarder, nous, apôtres, comme esclaves de Christ. C'est un terme fort que Paul va utiliser ici. Donc ça veut dire, mon frère, mon ami, toi qui as reçu l'appel du Seigneur pour prêcher, cet appel ne fait pas de toi un bishop, un papa qui doit régner sur les enfants. Non. Cet appel fait de toi un esclave, l'esclave des frères. C'est un terme fort. Et ça, vous savez également que le service selon Dieu consiste, l'appel selon Dieu consiste dans le service. Or, c'est le contraire que nous voyons dans nos églises, même chez nous. Où, au lieu de servir, on est servi. Au lieu de servir le peuple, regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 20. Quelqu'un peut-il rapidement nous lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 25. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Et pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Vous voyez? Et continue, il dit quoi? Verset 28. C'est ainsi que le... Et 26, 28. 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Premier, protos, chef. Et serviteur, diakonos. Et le terme que Paul a utilisé dans Corinthiens d'abord pour parler de serviteur, c'est doulos, esclave. Je vous assure, ceux qui comprennent le ministère, hein, ils ne se précipitent même pas à y répondre. Parce que c'est un appel à la souffrance. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, le Seigneur dit, en fait, il y a deux disciples, Jacques et Jean, frères, même père, même mère.
associé en tant que pêcheur. Ils ont voulu amener cette mentalité dans l'œuvre. Rester associé et s'associer avec le Seigneur pour être aussi l'un à gauche, à sa gauche, l'autre à sa droite. Ils ont fait des demandes, comme la plupart des chrétiens font des demandes au Seigneur. Seigneur, je veux un ministère plus de puissance. Je veux l'onction apostolique. Je veux l'onction de Kaku. Je veux l'onction de tel monsieur. Je veux cela parce que regarde les vidéos, ils vont se mettre à prier, à prier, à prier, à jeûner. C'est parce qu'on a mal compris les choses. Il faut toujours se rappeler que l'appel que chacun a reçu est un appel que le Seigneur a défini depuis l'éternité. Ce n'est pas à force de paroles, à force de jeûne et prière que vous allez recevoir cela. Rien à faire. Parce que les questions aussi de la souveraineté de Dieu. D'accord? Ce n'est pas en imitant une parenthèse, en parlant comme la personne, en imitant la personne, en faisant tout ce que la personne fait que vous aurez la chose. Non. Il n'y a pas de sosie non plus. Et moi, chez nous, je ne veux plus de sosie. J'en ai assez de sosie. On rigole comme la Bouchora, on s'habille comme la Bouchora, on parle comme la Bouchora, on rigole comme, on parle comme sur le téléphone, on fait la confusion. On ne sait plus qui est qui, alors qu'avant, chacun avait sa voix. Maintenant, c'est la confusion. Alors, quand c'est comme ça, ben, on dit à Chora, ben, écoute, toi, tu dois bouger pour que l'on puisse gérer ici. Voilà comment beaucoup s'écrasent, comme des crashs d'avion. Ok. Vous voyez que je ne vois pas toutes ces choses là parce que je n'en parle pas. Le sourire, c'est mon sourire. Il y a un problème. Ça, c'est l'idolâtrie, ça. Hein? Mais c'est grave. Parce que pour c'est grave. Ça, c'est une parenthèse. Vous aurez des questions après. C'est grave. Alléluia. Amen. Alors, les apôtres ont fait la même demande que la plupart des chrétiens, la plupart des frères aussi qui sont dans notre ministère. Seigneur, Seigneur, je veux quelque chose, je veux la porte, je veux quelque chose. Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur appelle les deux frères, il leur dit, venez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et les autres disciples se battaient également, ils disaient, non, mais c'est pas possible, ils étaient jaloux de deux frères. Ils ont fait une demande, tout ça, ils nous ont dévancé, c'est pas logique. Le Seigneur les appelle. Ils ont dit, écoutez, l'appel, c'est pas ce que vous avez compris, en gros. Il leur dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Dis à ton voisin, esclave. C'est-à-dire, c'est esclave et diacre. C'est-à-dire, vous savez, diakonos, c'est quelqu'un qui sert, comme vous savez, aux tables, un domestique. Donc, bibliquement parlant, un pasteur est un domestique de chrétien. Du Seigneur et des chrétiens. Mais nous avons des domestiques qui sont devenus des chefs. Parce qu'on a inversé les choses. Un domestique ne peut pas vous appeler pour vous demander de l'aider financièrement. Il exécute son œuvre. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui veut être le premier, c'est-à-dire le chef. Oh my God. Combien n'ont-ils pas eu des visions où j'étais mort et puis il y avait plusieurs chefs. C'est comme si les gars ils attendent que tu meurs. Ils disent, c'est pas possible, avec tous les coups là, ils ont toujours envie. Et c'était également le combat que l'apôtre avait, le même esprit qui combat les hommes. Chef. Et Jésus dit, c'est lui qui veut être Protos, qu'il soit Doulos. C'est-à-dire qu'il te met à la queue. Personne n'aime la queue. Et la grandeur, selon Dieu, consiste dans le service, c'est-à-dire dans le diakonos. Celui qui comprend ces choses-là restera humble. Celui qui ne comprend pas
Quand tu vas commencer à prêcher un peu, les gens vont le voir pour te donner des belles paroles. Il va être tellement enflé que c'est fini. Parce qu'on a compris que le ministère, on a cru longtemps que le ministère, on a cru ça, hein, que le ministère, c'est quand on vient, on dit, recevez. Ah, mais c'est bon. On prend un mouchoir. Allez, comme on a vu là-bas, on reprend la même chose. On n'a pas reçu l'illumination, rien, et on dit c'est ça le ministère. Et comme ça marche, on dit c'est bon, parfait. Alléluia. Amen. Ou la main ce soir. Amen. 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 Jésus a démonté la vision du ministère que ses apôtres avaient. Totalement. Et ça décourage, je vous assure. Quelqu'un qui veut être le chef et on lui dit prends le balai, balai. Combien de pasteurs que vous connaissez qui peuvent balayer la salle de l'église? Hein? Si vous ne comprenez pas quelque chose là, vous serez des bishops de demain. Oh, je vous assure. Oh, je vous assure. Vous serez des grands bishops de demain, frère. Ah, j'ai vu même chez nous des bishops déjà. Hein. Vous serez des grands bishops. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes un bishop. Oh, les gens, vous le voient. Vous le sentez. On change de démarche, on change de manière de parler, on change. Il y a une grosse Bible. On dit, mais le frère était humble. Il est parti. On dit, mais la soeur, quand elle s'est convertie, elle était humble, tout ça. Parce qu'elle a prophétisé un peu. Alléluia! Oh, le frère Shoah, on est ensemble. Il oublie que quand il est venu, on l'a baptisé. On lui a donné l'affirmissement. On a prié pour lui, on a imposé les mains. C'est pour ça que Paul dit que pour reconnaître quelqu'un ancien, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. On a fait cette erreur-là aussi. On a vu des gens. Dès l'instant, on a prié seulement l'ordination. Quand on a fini de prier, c'est fini, c'est parti. On a commencé à regretter, dire pourquoi on a fait ça. Parce que la personne, j'ai vu un parmi nous. Oh my God. Le jour, oh my God, c'est un de nous. J'ai vu le frère, après, tant qu'il n'était pas consacré, à l'époque, on appelait la consécration, hein, l'ordination, tout ça. Tant qu'il n'était pas ordonné, hein. Mais quand l'ordination, le jour, on a reconnu l'appel, le bébé, tout ça, j'ai vu le frère le lendemain aller prendre une grosse, mallette. Maintenant, oh! Il a changé! Seigneur, aide-nous! Oh my God! Jésus, aide-nous! Nous avons besoin de toi, honnêtement. De Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Esclave de Dieu, ça veut dire que tu reçois l'appel de Dieu, Dieu tue ta volonté. Un esclave n'a plus de volonté propre. Un esclave n'a plus de vision personnelle. Quand tu reçois l'appel de Dieu, Dieu met son joug sur toi. Il a dit dans Matthieu 11:18 là-bas. Il dit, prenez mon joug sur vous. T'as un joug. Vous savez, quand la Bible parle de serviteur là, serviteur égale ouvrier. Hein? Ouvrier égale peuple.
Comme vous savez, à l'époque, les bœufs travaillaient dans le champ. Il y avait une paire de bœufs à chaque fois. Et les deux bœufs étaient, n'est-ce pas, attachés, liés par un joug. Donc, il n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de volonté propre, il n'était plus libre. Tu deviens l'esclave. Le jour où tu as reçu l'appel de Dieu à la prédication, là, tu es devenu esclave de Dieu. Donc, ça veut dire que tu n'as aucune gloire à tirer. Quand les gens commencent à te lever, tu descends. Si tu commences à voir que ça commence à, les épaules commencent à monter, là, retire-toi pendant quelques temps. Ce n'est pas une honte. Demande un repos pour sauver ta vie de la gêne. Beaucoup croient que même chez nous, beaucoup chez nous croient que, on va arrêter d'abonner les autres chez nous, croient que le fait de ne pas prêcher pendant quelques temps, c'est que, si le prêche pendant quelques temps, il perd l'onction, il pense que c'est ça. Donc du coup, on rentre dans l'activisme. Il y a le jour, qu'est-ce que c'est toi? Dieu te dit, dès l'instant que tu vas commencer à prêcher, en fait, tu dois te dire, oulala, déjà quand on est chrétien, il faut comprendre cela. Mais quand tu commences à prêcher, dis-toi ta vie là. Tu portes le joug du Seigneur sur toi. Tu es devenu l'esclave de Jésus qui n'a plus de volonté. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui dois décider. Quand bien même les gens seraient injustes envers toi, ce n'est pas toi qui dois dire, non, parce que la personne n'était pas parlée avec moi, je dois faire telle chose. Non! C'est Dieu qui décide. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Parce que je suis ton esclave. Et nous voyons beaucoup d'esclaves de Jésus aller commencer des églises alors que Dieu ne leur a rien demandé. Parce qu'ils ont été déçus ici et là, ils ont, ils se disent, voilà, je vais faire ma vie avant. Voilà pourquoi ils meurent. Parce qu'ils font les affaires. C'est-à-dire, ils sont, nous avons, quand on dit que Jésus est notre maître, quand tu dis je suis votre maître, et quand il y a un maître, il y a des esclaves. Hein, Donc il ne faut pas négliger cela. Quand on dit que Adonai, Adon, Adon, Seigneur, Maître, il y a des esclaves derrière. Et les esclaves à l'époque étaient portés, ils étaient poinçonnés au niveau de l'oreille pour marquer leur appartenance à leur maître. Nous passons de Satan, notre ancien maître, à Jésus, notre nouveau maître. Ah oui? Faut jamais l'oublier, mes amis. Jésus n'est pas le maître, comme on l'a beaucoup cru, que oui, je vais répondre à l'appel comme ça, je veux pouvoir, mes amis, faire ma vie, avoir de l'argent, avoir du succès, tout le monde me connaîtra, vous allez découvrir mon ministère comme les autres hommes de Dieu. On n'a rien compris. Est-ce que vous avez parlé avec un pour qu'il vous dise ce qu'il a vécu? Non. On voit peut-être seulement tout ce qui est, n'est-ce pas, visible. Est-ce que vous avez parlé avec Paul? Esclave. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur, comme Paul le dit, il t'appelle et il fait de toi un dispensateur. C'est sûr que ce n'est pas au même titre que Paul, parce que Paul était avec les pierres des dispensateurs des mystères. Eh bien nous, il n'y a plus de mystère à révéler parce que tout est révélé. Donc on ne peut pas prétendre être des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui, par rapport aux païens, on peut dire dans ce sens-là, mais nous avons déjà la révélation, qui est la parole. Donc ça veut dire que nous sommes là pour dispenser, n'est-ce pas, la parole, les mystères qui sont déjà révélés, que certaines personnes ne comprennent pas, alors tu vois, c'est écrit là. Donc ça veut dire que, en tant que appelé de Dieu, tu as reçu une semence, tu as reçu quelque chose à partager. Et si tu as reçu quelque chose pour le partager aux autres, cela implique une responsabilité. C'est-à-dire Dieu t'a confié une charge qu'on a eue la dernière fois. Et qui dit charge, dit aussi de temps à rendre un jour. Donc, même si tu es jeune, tu ne dois plus vivre comme un jeune. Je veux dire, il faut commencer à penser comme Dieu. Oh oui.
et fuir les passions de la jeunesse parce que ça peut tuer l'appel et après tu rendras des comptes au Seigneur. Vous connaissez ça, c'est des jeunes qui avaient des grâces, non? Qui pouvaient être vraiment de véritables dispensateurs de différentes grâces du Seigneur. Mais ces jeunes ont préféré partir dans le monde. Mais ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Donc nous sommes esclaves. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui choisis ton lieu de travail. Donc quand on dit rotation, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Ah non, je ne veux pas bouger parce que j'estime que c'est mon champ. C'est comme un bœuf qui est en train de dire non, il ne faut pas me déplacer de ce champ parce que moi ici j'aime bien ce qu'il y a tellement de graines ici que je vois. Non, si Dieu dit maintenant tu finis là, tu vas ailleurs, tu pars. C'est ça, être esclave du Seigneur. Oh oui. C'est pas toi qui choisis le champ de mission. C'est pas toi qui choisis les hommes avec lesquels tu vas travailler. C'est Dieu. Mm-hmm. Alléluia. Et Paul dit, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ah oui. La fidélité. Oh, ça c'est une qualité. C'est la première qualité, une des premières qualités que Dieu nous demande. La fidélité en tant qu'esclave de Jésus, en tant que, mes amis, prédicateur, en tant que dirigeant, en tant que serviteur du Seigneur, en tant que diacre, c'est-à-dire celui qui a reçu la nourriture spirituelle pour pouvoir la partager, celui qui a reçu la connaissance pour pouvoir la transmettre, celui qui a reçu la sagesse de Dieu pour pouvoir servir les autres, même dans tout ce qui est matériel, aider les frères et sœurs. Oui, ce que Dieu nous demande, mes amis, c'est la fidélité. Vous voyez, Paul n'a pas dit que ce que Dieu demande, c'est des semaines de jeûne et de prière. Paul n'a pas dit ce que Dieu demande, c'est 7 heures en langue. J'en connais qui faisaient 6 heures, 5 heures en langue et qui étaient à la masturbation. En même temps. Bah, bien sûr, ça va vous choquer, toutes ces choses-là. C'est la fidélité. Et il se trouve que cette qualité, mes amis, manque. Qu'est-ce que la fidélité? Alors, en tant que dispensateur, vous commencez à prêcher, vous commencez à diriger les assemblées, vous êtes là, tout ça, on commence à découvrir votre ministère, tout ça, c'est bien. Dites-vous ceci. On l'a vu déjà. Le nombre n'impressionne pas le Seigneur. Vous voulez, n'est-ce pas, qu'on authentifie, qu'on valide votre ministère par le nombre de personnes qui vous suivent? Vous êtes mal barré parce que les catholiques sont plus puissants dans ce domaine que nous autres. Les musulmans, les témoins de Jéhovah, les sectes que vous connaissez. Oh! Donc c'est pas ça. Vous voulez qu'on authentifie votre ministère par rapport au bien matériel? Ah ben non. Faut pas, n'est-ce pas, concurrencer les catholiques. Ils ont carrément un petit état. Par rapport aux jeunes, ah non. Parce que les hindous, là, il y en a, ils font 40 jours. Par rapport à l'éloquence, revenons. Parce que les sophistes étaient balèzes. Vous savez d'où ça vient d'applaudir quand on prêche? C'est pas chrétien ça. Les sophistes, quand ils prêchaient, les Grecs, les philosophes, on les acclamait. J'ai été impressionné. Il y en a un jour, il prêchait. Il a dit aux gens, il a dénoncé, il a dit, il faut arrêter d'acclamer. Ça, c'est n'importe quoi. Il était conversé entre temps. Rouge d'or, rappelé. Chrysostome. Il prêche, un député de l'église, tellement qu'il était éloquent. Il a dénoncé les acclamations, tout. Quand il a fini sa prédication, tout le monde s'est levé. Bam. Donc, c'est pas ça. Le fait que les gens tombent sous l'onction quand tu prêches, ça tombe, aïe, quelle onction. Quand ils bougent, ils prêchent, ils courent. Comme beaucoup de jeunes, aïe, ils ont la flamme. Vous dites, oh, quel feu. C'est pas ça. Parce que les politiques, ils savent faire ça.
a rendu les foules. Oh oui. Donc c'est quoi là? Dieu dit, ici là, ce qu'on demande aux dispensateurs, ce qu'on demande aux esclaves de Jésus, ce qu'on demande à ceux et celles qui ont reçu la paix du Seigneur, c'est la fidélité. Allons voir ça. Luc chapitre 10. Non, Luc 16, pardon. Verset 10. À 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a aussi, qui vous donnera ce qui a? Waouh! Vous voyez ici la manière dont Dieu nous juge. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux, n'est-ce pas, toucher ta génération. Seigneur, je veux voir des âmes libérées, délivrées. Quelle prière! Mais il y a des prières qu'on ne ferait pas si on avait compris la justice de Dieu. Si on avait compris ce que c'est la fidélité, Dieu n'est pas compliqué. Vous devez comprendre cela. Dieu n'est pas impressionné par nous. Satan non plus. Ça, on le sait. On le comprend de plus en plus. La fidélité. Dieu dit ceci. Celui ou celle qui est fidèle dans les petites choses. Premièrement, le sera les grands. Chacun connaît son cœur. Chacun de nous. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne mentirez ni à Dieu, ni à votre conscience. Quelles sont les choses que Dieu vous a confiées? Je donne un exemple. Tu gères les finances d'une église locale. Est-ce que tu as été fidèle à la gestion de cet argent? Au point, en tant que trésorier, de pouvoir rendre compte à l'Assemblée de la gestion de l'argent de Dieu. Pas à Chora, mais je dis à l'Assemblée. Parce que c'est cette Assemblée-là qui donne cet argent. Nous avons eu tant, on a sorti tant. On a sorti tant, on a sorti tant, on a sorti tant, on a sorti tant. On évite ces choses-là. On nous parle ici de la fidélité par rapport à la richesse injuste, c'est-à-dire les biens de ce monde, que Dieu nous a confiés. Et en tant que trésorière, c'est de votre charge. Votre responsabilité de faire un rapport à l'Assemblée pour dire, voilà, ce mois-ci on a eu tant, et eu tant de dépenses pour cette année, et eu ça de sortie. Même si l'apôtre Chora, tu lui avais donné 50 euros, tu notes. Et tu rends des comptes. Parce que tu n'auras pas les comptes à rendre à Chora, mais à Dieu. Donc, si on t'a confié la charge de la trésorerie du Seigneur, les yeux du maître sont là, dessus. Judas n'a pas été fidèle dans la trésorerie, il s'est pendu. Parce qu'il prenait dedans. Jésus ne savait-il pas? Si. Il s'est pendu et pourquoi? Parce qu'il est allé vendre Jésus pour avoir plus d'argent.
Tu dois comprendre que quand une charge t'est confiée dans un ministère, dans une église locale, avant de t'arrêter sur l'apôtre ou le prophète, le pasteur, au-dessus de, il y a quelqu'un devant qui tout genou fléchira, devant qui tout homme rendra des comptes. Oh Seigneur, parle-nous. Que nous réalisions notre responsabilité lorsque des charges nous sont confiées. Ça ne se passe pas dans les coulisses. Ça se passe devant l'assemblée des saints. Les moindres des choses, là, c'est les choses qui sont de ce monde. C'est pour cela que la musique nous sort de la lumière. On n'est pas dans les ténèbres. Quand les ténèbres commencent à rentrer, les coulisses, là, c'est la mort. Oh oui, c'est la mort, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la compromission, et c'est fini. Je gère mes finances à l'église. Je gère mes finances. J'avais 10 euros est sorti pour la mission, je note. 10 euros, 20 euros est sorti pour le pasteur, je note. 50 euros sont sortis pour, je note. As-tu noté? Dieu, quand tu demandes le compte, quelle est la gestion que tu as fait? Oh non, mais tu sais, j'aimais tellement mon pasteur, mon ancien, que je ne pouvais pas, parce que c'est lui mon Dieu, donc du coup, il a des comptes à rendre au Seigneur lui-même. Ah ah! Donc Dieu dira, toi, tu es plus peur de l'homme, tu t'es idolâtre, et bien tu me rends les comptes. Rends-moi les comptes. C'est la parabole, hein? Donc c'est les questions. Le maître de ces deux hommes à qui avait compris ses biens idolâtres, il dit, mais rendez-moi les comptes sur la gestion des choses. Nous négligeons les choses parce que nous sommes tellement dans l'esprit, chez nous. Esprit spirituel, nous sommes tellement, oh oui, mais les choses matérielles, on est, on dit, bon, c'est pas grave. Oh non, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, Dieu dit si. Les petites choses, Dieu tient compte des détails. Alléluia. Quelqu'un va comprendre? Nous sommes allés en mission quelque part. Un frère a reçu un don d'une assemblée en Afrique de presque 1050 euros. J'arrive, je dis au frère, tu as reçu 1000 euros, montre-moi comment tu as géré cet argent, parce qu'il reste, il reste à peu près 300 euros. Où sont partis les 750 euros? Où sont partis cet argent? En quoi vous avez investi cet argent? Montre-moi la liste. Dis-moi, jusqu'au dernier centime. Une seule preuve, un seul justificatif. Un tel frère qui prêche la parole, qui dirige une assemblée, n'est pas digne devant le Seigneur de diriger parce qu'il n'est pas ordonné. Il est assis. On doit avoir la crainte de Dieu. Attention, on doit avoir la crainte de Dieu. Quand j'étais pasteur, il y avait une sœur, Marie-Thérèse, que Dieu la bénisse.
qui gérait les finances. Tout argent qui sortait, je vous ai demandé. Tout. La gestion était tellement bien faite qu'on a pu avoir 110 000 euros et on est sorti de là sans dette et on a pu payer les locaux du siège 86 000 euros cash. On ne joue pas avec l'œuvre. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup m'ont vu de loin. Mais vous allez me voir de près pour apprendre ce que c'est l'œuvre. Il y a eu trop le bazar. Vous avez vu comment Paul gérait l'argent? Il y avait là qu'il prenait, là dans les assemblées, et tout était clair. La gestion des biens matériels. Parce que nous ne sommes pas seulement là pour diriger les âmes. Nous sommes là également pour gérer le matériel que Dieu nous donne. Parce qu'il faut des supports matériels pour diffuser l'évangile. Donc des gens qui vont travailler à la sueur de leur front, qui viennent et qui servent dans l'œuvre. Et toi, tes trésoriers, tes trésorières, tes pasteurs, tes dirigeants, tu ne sais pas comment les choses se passent. Tu ne tiens pas un cahier de comptes. Mais tu as des comptes graves à rendre à Dieu. C'est grave. Il y en a qui vont en enfer. Je vous dis que Judas est en enfer. Il est dit dans Jean 12 là-bas qu'il prenait dans la caisse. Tout argent de Dieu qu'on reçoit, un euro qui sort, vous avez un cahier, vous le notez. Chez nous, il y a seulement l'église des bars, je ne sais jamais, qui fait cela. Lui, il tient bien ses comptes. Donc, du coup, personne ne peut l'appeler pour dire j'ai besoin de 10 euros parce qu'il n'y a rien noté. Ça sort pour quelles raisons? On a pris trop à la légère l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, frère, souvent il y a le jugement. Rappelez-vous bien, quand on est dans sa frère, Dieu nous a frappé seulement, c'est écrit. À cause de la mauvaise gestion. Il y a eu le mensonge, mais ça a touché l'argent. La fidélité. C'est pas quand on dit sanctification, pour beaucoup, la sanctification, c'est vraiment comme le fait de ne pas convoiter les femmes, les hommes. Oui, mais c'est pas seulement ça. Oh, je ne mens pas, c'est pas seulement ça. Comment gères-tu les biens matériels? De l'église et de ta propre maison. Parce que l'argent que tu as, même si tu travailles, c'est pas ton argent. Parce que tu es esclave de Dieu. Donc, pour sortir un euro, il faut que Dieu te dise de le faire. C'est pas par sentiment. C'est pas par pression. On a tellement vu la fidélité par rapport aux choses spirituelles. Ah oui, je crains Dieu. Ah oui, Mais on peut tellement désordonner sur le plan pécunier, matériel. Que Dieu dit, vous avez été injuste. Vous avez été infidèle dans les richesses injustes. C'est pour ça qu'il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. C'est-à-dire, il faut bien gérer les richesses injustes de ce monde que Dieu nous a donné, dans l'équilibre. Vous êtes jeune et Dieu vous appelle. Dieu vous confie la charge des hommes, la charge des femmes. Maintenant, ils ont de l'âge. Dieu leur a confié également la charge des hommes et des âmes.
Vous êtes là, vos yeux voient, vos oreilles entendent. Donc, nul ne pourra dire devant Dieu, je ne savais pas, ou je ne sais pas. Seigneur, la manière dont les choses étaient, moi avec Marie-Thérèse, ceux qui m'ont connu, frère, j'étais là, je regardais comment les choses évoluaient. C'est des choses que Dieu m'a apprises. Personne ne m'a enseigné cela. Et c'est pour cela que je veux vous le partager. Comment gérer les choses, c'est bien. Un ancien, un prédicateur doit avoir un cahier où il note, où il gère les choses. Bien sûr. Une trésorière, pareil. Cahier de compte. Depuis qu'on t'a remis la trésorerie, vous savez, quand on vous remet l'argent, l'argent, c'est la mort. C'est comme si on vous confie la mort. Si vous le gérez mal. Seigneur, je veux un grand ministère, je veux un tyran. Un grand ministère? Si je te confie les âmes seules, tu vas les tuer. Aucune discipline. La gestion de biens matériels, on parle de l'argent. La gestion de biens matériels. On achète un véhicule, on n'entretient pas, le véhicule tombe en panne. Mais les gens qui ont acheté ce véhicule, c'est des gens qui se lèvent à 6h du matin, qui souffrent. 7h du matin, 8h pour aller travailler, faire de la manutention, souffrir, gagner leur argent avec la sueur de leur front. Ils donnent et puis on gère mal les choses. Celui qui est humble et qui comprend les choses va tout faire pour rembourser. Oui, nous sommes jeunes, tu vas comprendre. On ne connaît pas ces choses-là. Vous savez, nous sommes des dispensateurs. Un dispensateur, ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère, le ministère à la légère, parce qu'on se dit non, je sors de, je suis jeune encore, ou je sors de la vie, de je suis à la cité, alors je. Mes amis, ah non. Alléluia. Rappelez-vous bien que nous sommes des économes aussi. Donc ça veut dire qu'en tant qu'économe, en tant que dispensateur, en tant que ministre de Dieu, l'argent qui sort, comme je le disais, on peut pas, on n'est pas là, on ne peut pas aider les gens pour aider. Non, parce que les gens sont pauvres, ils n'ont pas à manger, on va aider, mais qui t'a dit de faire ça? Oui, tu me dis, c'est écrit. Oui, mais des fois, il faut les prier. Pour ne pas encourager le mal. Jésus, dans Luc 21, avait les yeux sur les offrandes, là. Il regardait. Parce que la mauvaise gestion de l'argent de l'Église, de bien matériel, peut bloquer l'œuvre. Et quand tu vas juger, il ne va pas commencer d'abord par les apôtres des prophètes, par toi qui gérais les finances. Ça peut sécher ta vie spirituelle, vous devez le savoir. On te confie un véhicule de l'Assemblée, tu dois le gérer correctement. Parce qu'il y a une maturité, parce qu'on n'a pas souffert pour avoir ce véhicule, bon, on va l'utiliser n'importe comment, on ne va pas vérifier l'huile. On a envoyé, un jour, on a envoyé 2000 euros à un missionnaire pour qu'il achète un véhicule. Le véhicule, sa femme lui disait, regarde l'huile, le moteur, tout ça, il n'y a pas d'huile. Il dit, non, ça va, le moteur casse. Et puis, il fallait encore envoyer l'argent. Vous voyez l'immaturité, ce véhicule-là, celui qui est humble, celui qui craint Dieu, va faire quoi? C'est à cause de moi. Je dois me battre pour rembourser. On joue pas avec Dieu.
Nous gérons des choses. Nous sommes des économes. C'est comme si moi je viens, je te confie mon argent. Je te dis voilà, c'est ça l'appel. Je viens te voir, je te dis voilà, j'ai un véhicule, je te le confie. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, en tant qu'économe, tu dois te dire ce véhicule a besoin d'essence, donc il faut mettre de l'essence, de l'huile, tout ça. Il faut mettre de l'huile. Il faut surveiller la pression des pneus. Il faut tout regarder, il y a un cahier. Il faut noter les choses. Tu fais la vidange à telle date, tu notes pour la prochaine vidange. Donc tu suis à la lettre. Oh oui, économe. C'est pour cela que je parle de la fidélité. Comme tu dis, est-ce que tu es fidèle? Oui, je suis fidèle. Non, mon ami, est-ce que nous sommes fidèles à les petites choses là? Là. Il y aura des surprises quand Dieu va revenir. Nous sommes dans la mission au Cameroun, des chrétiens d'Allemagne, des frères d'Allemagne qui souffrent en travaillant, ont donné de l'argent à un pasteur qui est avec nous, prêchant sur le message, et il a détourné près de 3 000 euros. Il fallait lui mettre presque la pression pour qu'il avoue. Il a pu rendre 1450. Non, j'ai pris pour pouvoir faire mon déménagement, tout, machin. Vous voyez? Je m'en fais souvent dans mon emploi, sur mon portable. La fidélité. Où sont les hommes et les femmes fidèles? Je vous dis, mais c'est pas parce que tu prêches bien que tu es fidèle. C'est parce que les démons sont chassés que tu es fidèle. Parce que je lui dis, beaucoup me diront, quand on parle de les démons, je leur dirai, je vous ai dans le. Alléluia. Amen. Nous voulons les grandes choses. Oh Seigneur, j'ai vu cette vidéo. Je veux être puissant, Seigneur. Oh Seigneur, je veux cette onction, mon Dieu, pour gagner les âmes. Dieu regarde, dit rien. Ça ne va même pas se dire. C'est un but de main. C'est un fidèle. Ils ne savent pas comment gérer les choses matérielles. Ils ne comprennent pas les choses matérielles déjà. Ils veulent comprendre les choses spirituelles. Ce que Dieu disait à Nicodème, le Seigneur lui disait, si tu ne comprends pas quand je te parle des choses matérielles, physiques, comment comprendras-tu? Comment peux-tu comprendre les choses spirituelles? On peut savoir si quelqu'un peut diriger les hommes correctement en le regardant gérer les choses de la vie. Oh oui. Dans quoi gaspilles-tu ton argent? Dans les futilités? Comme pour le livre d'Ésaïe 3, il y en a qui se trouvent des futilités. Tu es toujours dans les derniers cris portables, toutes ces choses-là. Toujours. On voit l'infidélité. Dans quoi, toi, dirigeant de Dieu, dirigeant d'âme, j'étais tout à l'heure, je croisais un de mes voisins vers 16h30, 16h40 par là. Avec lui, je priais dans une assemblée il y a 13 ans, 14 ans de ça. Priant ça dans une assemblée. Et il priait dans une secte, dont je tairai le nom. Ils sont nombreux. Et son pasteur et sa femme se sont, n'est-ce pas, envolés avec près de 150 000 euros. Il me disait vraiment, il avait mon livre partout, j'avais l'entreprise dans sa main, il était en train de lire. Il dit vraiment, voilà, c'est ce que je lui dénonce, c'est ce que je dis ici, voilà, si vraiment le Seigneur ne nous a pas touchés, on se trouve tous dans le monde à cause de ces choses-là. Vous vous rendez compte, frère? La fidélité. Pourtant, c'est des gens qui prêchent, chasser les démons. C'est du secte où il y a tout le temps la délivrance.
une retraite jeûne à sec, 3 jours, 4 jours, 7 jours à sec. Mais dans les choses, les petites choses, Dieu les a trouvées infidèles. La fidélité, c'est la bonne gestion des choses que Dieu nous confie. La fidélité, c'est le fait de pouvoir rendre des comptes aux frères et sœurs. D'abord, parce que très souvent, on veut rendre des comptes d'abord à Dieu. Oui, on peut le faire, on doit le faire. Mais ce que Dieu veut, que nous soyons capables de rendre des comptes des uns vis-à-vis des autres, d'abord. Parce qu'il y a un Jean là-bas, Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu ne le vois pas, alors ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu vois, ça veut tout dire, ce passage. Comment veux-tu rendre compte qu'à Dieu, alors que ceux qui sont là devant toi, tu ne le vois pas pour leur rendre compte? Non. Le bon exercice du ministère commence d'abord par le fait de rendre compte aux gens que l'on voit, aux gens avec lesquels on travaille. Voilà. C'est pour cela que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas, je le répète, l'esprit insiste, hein, ne se mesure pas par, n'est-ce pas, ne se mesure pas par la prédication, à la prédication, l'enseignement, à l'onction, au don. Non, mes amis, non. Les apôtres ont chassé les démons, ils étaient revenus joyeux, tout joyeux. Ils disaient, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis à mon nom, mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut. Oh, quel enseignement! Oui, on est jeune. Oui, vous êtes jeune. Il y a des choses à apprendre. Jeune, en âge. Jeune dans la vie chrétienne, dans votre ministère. Il faut les bases. Oui. Il faut les bases. Regardez. Merci, Saint-Esprit. Regardez, frère. Jean, chapitre 6. Nous lisons votre verset premier, la fidélité. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Il enlevait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, où jetterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ça, c'est ce que Dieu veut me souffler. Gloire à Dieu, merci. Du poisson, on peut dire, mais c'est du poisson. On peut dire, mais c'est que du pain. Et Jésus dit, rien ne doit se perdre. Pourtant, il est Dieu. Pourtant, il pouvait encore multiplier cela, plus, ne pas se prendre la tête. Il pouvait se dire, mais je ferai la même chose après, je vais encore multiplier. Non, il dit, rien ne doit se perdre. Donc, quand tu commences à dire, non, mais c'est qu'un centime, c'est même que 10 euros, c'est le somme que 10 euros, là, Dieu dit, ah ben, c'est une erreur, le jugement. Le petit détail là, que l'on néglige, là, ce sont ces choses là, qui peuvent nous rater pour faire un peu le ciel. C'est pour ça que vous avez l'habitude, quand je veux voir un frère pour dire
ou un ancien pour dire donnez-moi 200 euros, c'est jamais pour moi, donnez-moi 200 euros. Et toutes ces potelles assemblées, tout de suite, devant la personne, j'appelle la personne concernée ou les villes concernées. Une preuve. Une petite chose. Ça, c'est un enseignement fort que Jésus a donné aux apôtres. Ramassez tout. Parce que l'homme a tendance à se dire, non, mais Dieu fera encore demain. Oh oui, Dieu est riche. Mais malgré sa richesse, malgré sa capacité de multiplier du pain et du poisson, Dieu veut nous apprendre la bonne gestion de ce qu'il nous confie. La bonne gestion de l'œuvre, la bonne gestion du matériel, même de la nourriture. Parce que la force que nous avons pour travailler, pour gagner de l'argent, ne vient pas de nous. Il ne faut pas croire. Il y en a qui ont fait des AVC qui ne peuvent même plus parler comme ce frère qui nous a croisé. Qui a fait un AVC? Il y en a qui sont des légumes, les simples. Vous savez, c'est de tels simples gestes comme ce que je fais. Pour eux, c'est devenu toute une corvée. Tout un exercice très difficile. Donc, on doit être juste là, là. On doit être méticuleux dans l'œuvre du Seigneur. On doit faire les choses avec beaucoup de sérieux. Ah non, c'est pas grave, Dieu est riche, Dieu est bon, je suis là, je suis un homme de Dieu, je gère les choses comme je veux, c'est pas grave, Dieu va faire encore, c'est pas grave, frère, donne-moi 500 euros là-bas, c'est pas grave, si tu n'entres pas, c'est pas grave, donne-moi un billet là, je... Mais mon ami, là, vous me ramenez, oui, c'est pour un billet, ramène-moi une facture, parce que je dois me justifier cela auprès des frères et sœurs, et un jour devant Dieu, j'ai un cahier, ramène-moi une preuve. Alléluia. Amen. Ah, oh, Seigneur. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, même les 10 morceaux, ils ont tout avancé. Et ils ont appris la gestion du ministère. Celui qui est fidèle dans les petites choses, ne négligez plus les petites choses, frère. Non, ces petites choses, la main de Dieu s'en sert, il s'en sert pour pouvoir nous qualifier ou nous disqualifier. Oh non, moi j'ai pas beaucoup reçu. Qui t'a dit que tu n'as rien reçu? Parce qu'on veut seulement voir de grandes choses comme ça, mais qui t'a dit que tu n'as pas reçu un don, tu n'as pas reçu un talent? Nous avons tous reçu des choses en tant que prédicateurs, en tant qu'enfants de Dieu. Donc je disais, la fidélité, c'est la bonne gestion de ce que Dieu nous donne. Hein? La fidélité implique la bonne gestion des choses que Dieu nous donne. Hein, donc qu'elle soit matérielle, physique, spirituelle, donc il faut bien les gérer parce que nous sommes économes, hein, nous sommes des économes. Et deuxièmement, la bonne gestion, la fidélité, pardon, donc implique aussi, donc la fidélité implique la bonne gestion de ce que Dieu nous donne. Hein, donc voilà, je dois bien gérer le travail, veiller sur les choses que Dieu m'a confiées, en prendre soin. Et la fidélité implique également, le fait de rendre compte aux frères et sœurs. En tant que pasteur,
tu dois rendre compte. En tant que trésorière, tu dois rendre compte, n'est-ce pas? Donc, en tant que gestionnaire, nous sommes des gestionnaires, nous sommes des économes, donc il faut rendre compte. Ah, développer cela, comprendre ces choses. Vous voyez? La fidélité, c'est ça. Si Dieu m'a confié la charge des âmes, comme c'est le cas là, de toutes ces assemblées, pendant quelques temps, eh bien, je dois, mes amis, bien gérer les choses. C'est-à-dire, si ça part en vrille, je dois prendre le bâton et corriger. Parce que si je ne le fais pas, Dieu va devoir les comptes. Élie, le sacrificateur, n'a pas bien géré les enfants que Dieu lui avait confiés. C'est pour les enfants. Quand il fallait corriger parce qu'ils partaient complètement en vrille, il n'a pas su les corriger et Dieu les a non seulement tués, mais il a également tué Élie. Parce qu'il n'était pas fidèle. Donc, et les enfants que Dieu nous donne, et les femmes qui sont avec nos femmes, nos maris, oui, frère, Dieu attend de nous la fidélité. C'est pour cela que Paul dit dans Timothée 3 que celui qui veut diriger l'église du Seigneur doit d'abord bien diriger sa maison. Parce que s'il ne sait pas diriger sa maison, comment peut-il prétendre diriger l'œuvre? Si ses enfants sont insoumis, il ne doit plus enseigner, il doit s'asseoir. Qui n'est pas fidèle. Si ces enfants sont infidèles, sont perturbateurs, sont complètement, mes amis, dans le péché, ils ne doivent plus diriger. La fidélité. Alléluia. La fidélité consiste dans le fait d'amener un travail jusqu'au bout. Oubliez la notion d'inachevé. Quand on est fidèle à Dieu, on va faire son travail jusqu'à la fin. Et à la fin, on présente, n'est-ce pas, le résultat au Seigneur. Vous savez la parabole des mines de talent? Oui. Ah oui, mes amis. Tu m'as donné 5 talents, ben je les ai fructifiés, j'en ai donné 5 autres. Voilà, Dieu dit, bon et fidèle serviteur. Oui, frère. Donc la fidélité implique la bonne gestion, implique, mes amis, le fait de pouvoir rendre compte. La fidélité implique aussi, mes amis, le fait de fructifier. Parce que quand tu gères bien, tu fructifies forcément. Là oui. Donc quand on comprend les choses comme ça, on ne va pas se permettre de courir après le ministère. Donc on comprend que l'apostolat, là, c'est une affaire terrible. Parce que tu n'es pas fidèle, c'est toi qui payes. Ah oui. Les gens vont murmurer, non, il est méchant, il est ceci, cela, il se prend pour qui? Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Parce que la fidélité implique la correction. La sanction. Ce qu'on demande au serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alléluia. Ça va, vous demande encore 5 minutes et on finit. Le Seigneur répond, n'est-ce pas? Amen. Celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, dans les choses d'autrui, le sera dans ce que, dans ses propres affaires. La fidélité. Comment gères-tu le travail qu'on t'a confié? Ah non, c'est pas mon ministère, c'est pas mon truc, c'est pas dans ma vision. Ah bon? La Bible dit dans Proverbe 11, 24, celui qui arrose sera lui-même arrosé.
On veut être arrosé, mais on n'arrose pas les autres. Dieu confie une vision à une personne. Tu sais que cette personne est le visionnaire. Est-ce que tu es fidèle dans ce que Dieu te demande dans cette vision? Ou est-ce que dans le dos, tu passes pour faire des affaires tranquillement? Voilà, moi j'estime que je vais faire ci, je vais faire ça. C'est une vision qui emplit toutes ces assemblées ici et là. Une vision qui est là. Tu veux être apôtre? Tu veux servir Dieu ici et là? Mais comment tu travailles cette vision? Est-ce que tu es celui qui amène l'unité ou celui qui amène la division? Parce que si tu sèmes la division entre les ministères, eh bien, tu plantes, tu sèmes la division dans ton propre cœur, dans ton propre ministère. Et demain, ne sois pas étonné si ça part en vrille. Parce qu'on ne peut que récolter ce qu'on a semé. C'est ça, les principes du royaume. Parce que tu sèmes, même si tu ne le vois pas, tu as semé 20 ans après toi le récolter. Tu es comme ici, dans Luc 16, il n'était pas fidèle dans les richesses qu'on lui avait confiées. Il a volé son maître. Il a volé son patron. Mais le jour où s'il avait pu avoir ses propres affaires, mais il allait avoir des gens complètement infidèles. Parce qu'il a. Donc, frère, c'est une réalité, vous semez du maïs si vous ne pouvez pas récolter de l'avocat. C'est pas possible. Dieu, je crois que au départ, chacun connaît son cœur. Si ce n'est pas dans les coulisses. Pour se dire, chacun connaît. Même si on dit non, on ne va pas, le Dieu ne va pas, le pasteur la porte, tout ça. Dieu voit toutes choses. La fidélité. Là où tu travailles, dans l'assemblée où tu travailles, la vision où tu travailles, si tu, excusez-moi du terme, mais si tu sèmes la zizanie, tu fais le caca, et tu veux partir, tu pars comme tu dis, moi je fais mon ministère, mais comment tu veux réussir? Parce que là, tu as planté quelque chose de mauvais, ça va te poursuivre. C'est un lien. La fidélité. Tu gères une assemblée. Tu achètes un véhicule avec l'assemblée. Le véhicule, vous le cassez. Mais logiquement, vous dites à la personne, on t'a pardonné, mais des coûts pour rembourser. Même 50 euros, même 10 euros par mois. Au jour où tu travailleras, tu seras remboursé pour que tu sortes de cette, ce lien. Parce que si tu ne le corriges pas, mais le jour où si Dieu te dit maintenant, tu as ton appel, va faire ici, elle va dans un autre pays qui travaille, je ne sais pas où Dieu peut t'envoyer. Mais tu n'auras que des cas comme ça. Comprends les choses, c'est pas la cour de récré de l'œuvre de Dieu. Non? La fidélité, Dieu me confie un message. Dieu dit, voilà le message que je te confie, vous verrez mon peuple. Toi, tu es à mes côtés. Vous êtes à mes côtés, tous ces êtes là. Comment vous transmettez ce message quand je ne suis pas là, dans vos assemblées locales? Où vous êtes? Est-ce que vous le transmettez fidèlement? Ou est-ce que chacun développe son petit machin, commerce? Mais ce que tu fais, moi je ne vois pas. Dieu, ça va te rattraper un jour. Là, oui, frère. Il y a la liberté, il y a le but de gloire à Dieu. Mais la fidélité. Pas fidèle, pas par rapport. On ne peut pas être fidèle à un homme qui est dans la publicité, qui s'est égaré. Mais la fidélité, c'est envers la personne, envers Dieu, et envers les personnes que Dieu a établies, que vous reconnaissez être de Dieu, et qui créent Dieu, surtout. Putain, mais c'est une vision qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Alors on va bosser, travailler pour que les choses avancent. Et si quelqu'un vient pour pouvoir te détourner, tu dis non, ça c'est ce que la parole me dit, Dieu m'a parlé. Je dois bosser, travailler pour faire avancer le. Que les âmes soient touchées. Un jour, si moi je ne suis pas là, mais c'est une vision, tu sais, la personne meurt, mais la vision n'est pas de l'homme. La vision, c'est quelque chose que Dieu vous a communiqué pour cette génération. Donc vous devez être fidèle non à l'homme, mais à la vision, à l'appel, au message. Mais si le message n'est plus vécu, n'est plus prêché, n'est plus respecté, il n'y a plus la fidélité. Comment voulez-vous servir le Seigneur correctement? Je ne parle pas de la tête, papa, l'homme. Non, on n'est pas là pour parler de l'homme, des hommes, vous comprenez? Cette parole n'est pas de l'homme. Donc cela implique la fidélité par rapport à ce que vous faites. Si on dit dans le ministère, on ne veut plus d'affiches,
Mais soyez fidèles. Parce que c'est la parole. On ne va pas pour commenter les affaires, il faut l'apologie des hommes. Non. Dépenser de l'argent pour eux, je ne sais pas quoi. On dit non, il faut rester intègre. On doit avoir le même langage parce que c'est la parole. Mmh. Alléluia. Amen. C'est bien pour tout le monde. Je vous sens triste. Qui n'avait pas vu les choses comme ça? Nous sommes fidèles à Dieu, n'est-ce pas? Et si nous prenons ce message, c'est parce que nous sommes aussi fidèles à Paul, à Pierre, à Jacques, à Jean, vrai ou faux? Parce qu'ils ont reçu le nom du Seigneur. Et si Dieu dit, allez livrer mon peuple, dites que la digne est le peuple, mais vivons-le. C'est ça la vérité. Que les pasteurs doivent servir le peuple, vivons-le. Que les pasteurs ne doivent pas appeler les gens pour demander de l'argent. Disons ces choses. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui. Alléluia.